D'accord, donc c'est lui qui fait mon compteur. Ah non, mais les mecs sont les couilles. Et salut à tous, c'est Tiltek, j'espère que vous allez Là, bien. je m'appelle Si, moi, j'avais oublié qu'il foutait la merde. Donc du coup, vous l'avez bien vu, on se retrouve en compagnie de Léo. Bonjour. Bonjour. Salut. Voilà. Et de Gaël, dit Artoon Wurst. Voilà. Bonjour. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. LOL, comme tiré environ 99,9% des youtubeurs. Et bah non, en fait, c'est tout simplement un des nouveaux projets qu'on va annoncer avec Léo. Même si c'est pas une annonce, au final. Et qu'en gros, ça va être des petits challenges compliqués, bien évidemment. Et pour l'instant, le premier est sur Narder Untotten, sur Call of Duty, mais il y en aura d'autres sur d'autres jeux. Et on va vous expliquer le concept assez simplement sous peu. Donc là, déjà, pour la première. Viens, on tire sur les barils. Alors, tu fais ce que tu veux, de toute façon, la musique s'activera pas. Parce que on est sur le remastered absolument dégueulasse. Donc, le défi est tout simplement de garder notre MR6, donc le magnifique petit MR6, de dégager le RK5 en faisant une seule boîte. Et ça sera au petit bonheur la chance. Si on a de la chance, on a une bonne arme bien. Si on n'a pas de chance, et bah on est dans la merde. Et en gros, bah voilà, le challenge est tout simplement d'être le dernier debout. Alors, les atouts sont non autorisés, les gobble gums sont non autorisés, et le reste, coup de pute autorisé, hein, bien évidemment. Faut pas déconner non plus. Merde. Bon, j'ai utilisé le RK5, mais bon, pour l'instant. De toute façon, on n'en aura pas besoin après. Le RK5, on a le droit ou pas? Bah, là, pour l'instant, ouais, on s'en fout. Parce que là, faut juste qu'on ouvre pour qu'on puisse se faire une boîte. Et après, après ouais, on le dégage de toute façon. Et donc, voilà. Donc, les défis. Ça, là, pour l'instant, ça se fait sur Call of pour le premier. Il y en aura aussi, je pense, sur King Floor, sur GTA, sur le prochain Call of. Peut-être en multi. Attends, il me reste. Ah, bah, je veux dire, il me reste 10 points, je vous l'apporte. Ok, genre on peut faire 1000 points. C'est pas moi. C'est qui a 1000 points. Oh, Artoon Wurst, t'es trop gentil. On pourra le faire sur donc plein de jeux, mais voilà, faut que je pense aux défis, etc. À réfléchir. Bon, ça, oh, va. Plaisir, ça va. Et donc il y a plein de projets aussi qui vont arriver sur la chaîne, mais ça prend énormément de temps comparé à un challenge où on peut lancer comme ça en mode eh oh, t'as un petit peu de temps sur mec, toi. Ouais, ouais. Si t'as 2, je te bois, je te nique ta mère. Oh, ça va, ça va. Ça passe. 160, 100, ça passe. 168 balles, tranquille. Et on attend plus que Gaël qui ait son arme et le défi va commencer. Et donc oui, ça sera des trucs vachement montés, comme je vous avais dit que je ferais avec des séries de jeux. Mais pour l'instant, les séries de jeux, on l'a laissé un peu de côté parce que c'est déjà fait par un certain Simon Pêche. Et donc du coup, on est parti sur un autre projet qui tourne toujours autour du jeu vidéo. Hein. Je vais pas partir sur la couture, on va pas déconner non plus. Et donc voilà, ça va arriver pendant les vacances. Faut juste qu'on travaille dessus avec Léo et Kevin. Attends. D'accord, vous êtes tous les deux au laser. Que moi. Ils vont se faire des auto-dégâts. Donc là, du coup, le défi est parti. On a le droit à toute la map, bien évidemment. Et puis c'est tout. Hein, on va pas tergiverser. C'est parti. Charpentier. Eh bonjour, moi je suis Richtofen. Richtofen, pardon, excuse-moi. Voilà, là il y a tous les anglo-anglais qui m'ont enculé. Ça va être dégueulasse. Tous les anglo-anglais. Bah quoi? Ça se dit pas? Les anglo-anglais, non. Pas trop. Alors toi. Bah on dit bien les francophones. Ah oui, on dit anglophone aussi. Un peu court, Manuel, hein. Un peu court sur les bords, bon. Eh, c'est pour ça qu'on m'aime bien. Eh, si je serais pas con, qui serait con ici? Eh bah personne. C'est-à-dire que t'as tellement augmenté? Bah oui, c'est parce qu'on a eu une mort instante, donc j'ai utilisé mon MR6. Ah bah d'accord. Oh bah GG. Ah bah... Oh bah la première mort est pour Léo. Oh merde. Attends, parce qu'il va me tuer aussi. Ah bah je pensais qu'il y avait plus de zombies, en fait. Qu'est-ce qu'il est bon? Bah ben voilà. Attends, parce que ses copains. Tu tues ses copains? J'étais dans le mur et je me suis dit, ah bah tiens, on va attendre. Eh bah écoute. Ah bah voilà. Et bah la première mort est pour Léo. C'est moi qui ai inspiré Jason Bundle. Hein. Ah oui, non mais les tentacules, c'était par rapport à mes vidéos. Ah, bon. Bah quoi? Vous avez jamais regardé Octopussy avec Jen Bond? Si, mais enfin, c'est que bah, ouais, ok. Attends, les mecs, jaune, tout de suite. Ouais, mais le scénario était pas ouf. C'est bon, pas les meilleurs trucs que j'ai pu voir. Hein. Putain, j'aurais ma sto. Ah, ça fait chier. Ouais. Ça t'embête. Tu es agacé, mon petit Léo. Bien. Putain. Ça, ouais, bah, Carpenter, ça m'a fait peur. Carpenter. John c'est Carpenter. Qui s'appelle Carpentra. Il y a plein de carpettes partout. Ouf. Plein de tapis partout. Non mais je sais pas comment. Non mais les habitants de cette ville, ils s'appellent comment? Les Carpentiens. Les Carpentiers. Oh,
Il dans le meilleur de l'humour. Retrouvez-le au zénith de je sais pas où. Très bonne ville, je sais pas où. Parce qu'il y a plein de consommés, j'adore ça les consommés. Mais c'est trop bien les... Eh non mais on dit comme ça, ouais, le consommé, mais c'est trop bien. Attends, t'as une sœur bonne, tu te la tapes. T'en as aucun, t'as rien à foutre. Oh, ouais, j'avoue, attends, moi aussi je veux me taper ma sœur bonne. Mais tu veux taper sa sœur? C'est pas gentil, non, ça c'est pas... What? Mec, j'ai glissé et il m'a tué. Non, pardon, j'ai glissé. Pourquoi je tue les zombies? Mais qu'est-ce que je peux être comme... Encore tout attends, bon, bah deux morts pour moi, hein, mon pote. Je pense que c'est parce que j'en ai réussi à m'en défier. Je vais pas vous cacher que ça va être fini pour moi aussi. Ah oui, d'accord, non, mais je monte alors... Il y a des zombies. Ah oui, non mais... Même si tu pouvais éviter de faire la contrebande pour de la musique que je renie de plus grand de mon être. Mais putain, Léo, mais... ça commence à devenir gênant. Vraiment, on se demande pourquoi on fait des secrets avec toi. Eh non mais, tu verrais là où je suis. Bah t'es con aussi, pourquoi tu te mets là? Est-ce que ta mère, en soi... Oh bah ouais, voilà, ouais, eh bah ouais. Le défi est donc terminé, ouais, manche 11. Eh bah voilà, j'avais dit qu'on tiendrait une dizaine de manches. Est-ce que je peux tenir? Telle est la question. Donc là on va finir sur un petit rush de ma propre survie qui est moi-même. On va voir si je survis. Avec un MX Garand. Qui commence à ne plus avoir énormément de munitions, mais je suis un PGM. Je suis un peu. Franchement, je me suis serré des. Monsieur Léo, on va pas se mentir, mais. Oh, c'est mange tous. Non, voilà, je savais que j'étais suprême, mais à ce point-là, j'aurais pas cru. Bon, bah, ce premier challenge se termine sur une victoire de Monsieur Tiltek. GG Tiltek. Ah, oh, merci, cette victoire est totalement legit. Je veux dire, je n'ai pris aucun atout. Franchement, mes adversaires étaient bien en dessous. Ça se voyait dans leur gameplay. Non, franchement, merci beaucoup de cette victoire absolument offerte. Hop, on va passer ici. C'est génial. Non, franchement, c'est génial. J'adore les victoires. Alors, je commence à plus avoir énormément de munitions. Donc, je vais pas vous cacher que ça va être la fin. Hein. La game va se terminer. On va tous mourir. À moins que j'arrive à vous réanimer. Et là, ça va être génial. Et là, ça serait génial. Là ça va être compliqué, mais là ça va être génial. Là ça va être génial. Mais c'est génial, niveau 322. Mais j'adore la vie. Hop, allez. Bon là ça va être très long. Bon, si vous voulez un petit café. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, on termine là-dessus hein. Attends, moi je vais faire une boîte au cas où Eh bah vas-y, fais-toi une boîte. Bon bah voilà. Premier. Oh putain, bien, putain. Attends. Je mec. Bon bah premier challenge remporté par ma propre personne qui est moi-même. On essaiera de faire en sorte que Gaël et Léo soient dans les prochains, hein, si Gaël tu veux venir bien évidemment. Bah le deuxième ça sera sur Vulcain, j'ai envie de te dire. Ah d'accord, toi tu veux directement partir en zombie. Ah non mais moi j'étais pas déjà parti sur d'autres jeux, hein, j'ai d'autres idées pour d'autres jeux. Bah nique ta mère là, on fait la quadrilogie. D'accord, donc tu veux faire... On fait... Non on fait la octologie. Et après... T'inquiète pas, j'ai des idées pour toutes les autres maps de Chronicles. Donc bah sur ce les gars, on va se laisser, hein, cette victoire était totalement méritée. Je suis bien au-dessus de mes adversaires, hein, ça se voyait même dans mon gameplay, hein, vous verrez ça, j'étais bien au-dessus. Et effectivement j'étais dans l'endroit le plus but où il n'y avait aucun spawn. Et Gaffice de chien. Mais non mais j'avais pas de spawn, j'y suis pour rien, pourtant j'ai la plus grande salle. Ouais non, le top il a une grande salle aussi. Donc bah sur ce, on va vous laisser, hein, je vais dire aux deux autres, je vais vous le dire. Non, je vais laisser aux deux autres dire au revoir, mais d'abord je vous dis au revoir, d'accord, très bien, ok. Ah d'accord, ok, très bien, c'est très gênant pour terminer une vidéo. Donc bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez un pouce bleu si c'est le cas, laissez un pouce rouge bah, si elle vous a pas plu, hein, bien évidemment, comme tout le temps, comme j'ai envie de vous dire, hein, clairement. Les mots de la fin, bah on va commencer par Gaël parce que c'est la première fois qu'il est là. Bah je te cache pas que ma performance a été médiocre aujourd'hui, on va pas se mentir plus longtemps. Hein. Oui mais oh, là, si c'était que aujourd'hui. Je peux dire un mot. Ouais c'est un mot pour qui caractérise. Un mot qui caractérise la game. Compliqué, on va pas se mentir. Ouais. Compliqué, on va pas se mentir, je connais pas son nom, clairement. Ah bah c'est fini. Ouais. Compliqué, ouais, ok. Ouais. Et toi, Léo? Tentacule. D'accord.
D'accord. Ok. Ok, et moi ça va être cyclomoteur. Allez, salut tout le monde.